Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Compagnie of Heroes 2. Et on reprendra, on s'était arrêté la dernière fois dans le DLC Vers les fronts du sud. Et aujourd'hui, nous attaquons à une mission qui s'intitule Plus forte. Ouest de Kharkov, Ukraine, URSS, 11 mars 1943. Après avoir été arrêté lors d'une bataille sanglante contre les défenseurs de l'armée rouge, les forces allemandes se sont regroupées, voulant profiter de la couverture qu'offre la nuit, à se préparer à briser les défenses ennemies et à continuer leur assaut vers Kharkov. Donc, comme certains m'ont fait remarquer dans les commentaires, oui, nous rejouons certaines maps que nous avons jouées avec les Russes. C'est ça qui est vraiment le plus dédommageable sur ce... Attendez de... Sur ce DLC. Excusez-moi, j'avais oublié de modifier un commandant. Donc, lorsque nous avons joué russe, nous avions accès au DPAC 43. Cette fois-ci, nous sommes allemands, nous devons affronter le DPAC 43. Bon, la seule différence, c'est que cette fois-ci, on va percer leur ligne de défense et les détruire. Haute information, dès le début de la map, ils ont 2 IS-2. Grade 2, donc, vous devrez prendre ça en compte. Récupérer DPAC 43 sera l'un des meilleurs moyens de les détruire. Je préfère le dire tout de suite, parce que beaucoup de personnes ne le savent pas, ça. On peut déployer des grenadiers d'assaut. Grenadiers d'assaut déployés. Je dégage. Je prends l'objectif. Comme un voleur. Les soldats du génie s'emparent de l'objectif. Donc, je vais juste revenir sur une chose. J'ai pris un commandant avec grenadier d'assaut. Cette idée-là m'est venue, en fait, juste avant de lancer la vidéo. Jab 2-1, parce qu'ils ont cette capacité vraiment très pratique pour déloger les défenses. Après, c'est une map globalement citadine. Je sais pas si vous comprenez par ce que je veux dire. Ça sera globalement des combats rapprochés, même si on voit que c'est beaucoup de dégâts à distance. Ça sera très pratique pour prendre d'assaut, notamment Comment ça s'appelle? Les PAC 43. Ensuite, il y a cette capacité-là que je trouve pour son prix vraiment donné. Elle est très puissante. Donc c'est aussi pour cette raison que j'ai choisi de prendre ce commandant. Et enfin, vous avez accès au char Tigre. Globalement, le groupe d'assaut mécanisé et le Stuk 3 OFE. Pour information, si c'est un commandant d'assaut anti-infanterie, je les utiliserai pas. Voilà. C'est juste pour... Les grenades d'assaut, c'est des grenades standards mais équipées de mitraillettes, donc efficaces à courte portée. Et bon, voilà, c'est des petites informations à savoir. Ça. Enfin, vous avez accès à 2 Panzerwerfer dès le début de la partie. Bon, je vais pas encore vous dire tous les avantages d'avoir un Panzerwerfer, tout ça. Hein. Je pense que vous devinez que... Voilà. Le but c'est quand même de neutraliser facilement. Enfin, facilement. Rapidement. Je change de position. Je suis en route. Sniper prêt. Je canarde l'infanterie. Bon, j'ai fait beaucoup d'erreurs de micro là, du côté droit, c'est pas grave. Je vais sûrement perdre parce que 3 escouades contre une, c'est un peu beaucoup. C'est pas grave. On a maintenant des grenadiers d'assaut sur le terrain. Je prends le territoire. Les armes tirent dessus. Capture le secteur. Les forces ennemies sécurisent notre territoire. Je prends le territoire. Je tire sur l'unité d'armée rouge. Voilà, vos snipers sont très pratiques pour ça. Donc, l'avantage du pack 43, c'est qu'en fait, ça vous permettra d'avoir des unités assez gradées, surtout au sniper, très rapidement, parce que l'ennemi le récupérera à chaque fois. Donc, par contre, moi, ce qui me dérange, c'est que je joue rarement grenadier d'assaut, donc c'est une idée qui m'est venue, sauf que je sais pas trop bien jouer avec, étant donné que j'ai quasiment jamais ce commandant-là. Donc il se peut que je joue comme un pied avec ses troupes. Mais je pense que c'est plutôt une bonne idée.
Ah, le Panzerwerfer, je vous conseille de l'économiser, c'est... Enfin, j'ai mes grenades. À présent, nous pouvons former des troupes légères mécanisées. Section de soldats du génie. Je peux vous aider? L'ours. Il nous ah, vous voyez, on vient de voir Agnès 2, si vous avez fait gaffe. Voilà. Vite fait. Ouais, faut avoir l'œil. On l'a juste aperçu vite fait, c'était un Agnès 2 du violet. Alors cette capacité est surtout efficace pour neutraliser soit un bâtiment, soit beaucoup d'escouades d'infanterie, ce qu'il pense 5 grenades, ou 4, ou 3. En fait il pense une grenade par soldat dans les squads, encore en vie. Bon, par contre la traversée de la rivière, pas meilleur de mes idées. Le QG a été amélioré, le blindage moyen et les roquettes d'artillerie sont maintenant disponibles. Par contre, gros défaut des grenades d'assaut, parce que je suis pas revenu dessus encore. Vous avez aucune capacité anti-véhicule. Et je préfère moi personnellement les grenadiers. Mais voilà, les grenadiers ont un avantage très efficace à longue distance. Donc, autre pack 43 dégâts, on s'en fiche totalement. Donc voilà, les autres grenadiers sont à mon goût plus forts que les grenades d'assaut. Même si en ville, les grenadiers d'assaut sont plutôt puissants. Je dois l'avouer, je l'admets. Voilà, une escouade complète, c'est parfait. Là on a entendu vite fait le tir d'un ISU. Voilà. Ah ils sont que level 1. Ah dans tous mes entraînements ils étaient level 2. L'ennemi s'empare de notre territoire. Ils sont que level 1. Bon bah. Genre tout ce que j'ai dit, ils sont que level 1. Je viens de perdre mes deux. Oh là je perds bêtement 12 unités. Tant pis pour les 5 là. C'est moi petit freeze. Les freeze, vous voyez des freeze, ça vient pas de moi. parce que mon ordi peut vraiment faire tourner ça et filmer en même temps. Donc je m'en excuse. Et la première technique, je sais pas d'où il vient en fait. Oh là, non, me dites pas que c'est bugué. J'ai déjà eu un coup de bug là, je pouvais pas récupérer qu'un anti-char. Ah bon. Non je sais pourquoi je peux pas. Voilà. Tir de pack 43 des tourages. L'ennemi a détruit un canon anti-char. Normalement faut qu'il gâte tout. Une de nos structures avancées est attaquée. En route. Les forces ennemies sécurisent notre territoire. Nous attaquons, terminé. On attend les ordres. À présent, on peut déployer des canons d'assaut Stuk 3E, commandant. Comme j'ai dit, j'ai compté pas les utiliser. Par contre, ouais, j'aurais dû partir normalement parce que là, je m'amusais à prendre des grenadiers d'assaut, j'arrive pas.
ça apprendra de faire le guignol. C'est parti. Construisez une cage de carburant à cet endroit. Close. Récupération de territoire. Ah parfait, récupère un lance-flam, c'est vraiment génial. Tente de prendre notre secteur. Que ça rajoute énormément de capacité anti-infanterie. À corps à corps. Là par contre faut attendre l'essence. Je m'en excuse un peu. Voilà, on n'a pas vraiment tout le choix, hein. On est obligé d'attendre les ressources qu'elles nous arrivent. Qu'elles arrivent ou non. Que repli. Bon, au moins l'avantage c'est que j'ai bientôt que Panthère. Excusez-moi. Je perds un peu ma voix. Bon. Honnêtement, si je peux appeler un tigre ou d'un panthère, j'appellerai un tigre. Meilleure puissance de feu. Mais bon, le panthère est retient légèrement mieux les coups. Ah mais ils sont vraiment énervants là, les IA, c'est incroyable. J'ai jamais eu une IA aussi bonne. Je vais clairement dire ce qu'il y a. J'ai jamais eu une IA aussi bonne aux entraînements. J'ai toujours une IA pourrie. Bon après d'un côté c'est bien. Au moins il y a un peu de challenge. Parce... Bon, après je vous... Ça, c'est à dire qu'ils n'ont pas 43. L'artillerie légère attend vos ordres. Ennemi attaqué par l'artillerie légère. Section de soldats de la massif légère au-dessus des têtes. Nous perdons un secteur. Ah, ouais, parfait ça. Pas à peine. L'altrac est parfait parce que là, il va me permettre de me soigner, de reconstituer plutôt mes troupes. Que clairement c'était ça moi qui me manquait, c'était le fait de pouvoir remettre des troupes dans mes escouades. Marine de front, c'est pour ça qu'ici je veux mettre un poste de QG, un bunker de commandement. Le bunker a été transformé en centre de soins d'urgence. C'est qu'à force de tirer dessus, on rend dommage. Ils sont fort poussés. Panthère au sud, ça ira déjà un peu. Tant pis pour escouade que je la perds ou que je la perds pas. Le plus important c'est de dégommer l'IS. Une de nos structures avancées est attaquée. Garde dans la section de soldats du génie. Génie prêt à tout. Section. Le bunker a été amélioré avec une MG42. Là par contre, je vais être direct. Libérez ce véhicule.
Vous pouvez en récupérer, hein. Récupérez-le. C'est déjà tellement rare d'en avoir un à l'abandon. Que sur toutes mes parties, je n'ai eu ça. Bah, c'est la première fois, en fait, je suis en train de réfléchir. Ah non, deuxième fois, parce qu'un coup, j'avais fait sauter sans que vous voir. Il est où l'autre pack 40 ici. Bon, liaiseux sera parfait pour une... Oh, il me body block mon allié. Bon, je tire dessus parce que... Ah, mon allié me body block. Body block, ça veut dire qu'une unité vous empêche de dépasser votre véhicule. Le plus souvent, c'est l'ennemi qui pense à faire ça. Priorité. D'un côté, c'est... Voilà, c'est pas problématique parce que j'ai un liaison. Et vu la puissance de liaison maintenant. Oh, il me pénètre. Il a du bol. Que c'est rare qu'un T-34-116 puisse pénétrer un Panther. C'est pas courant. Par contre, ça, c'est la plus grosse connerie qu'il vient de faire. Ouais. Il vient de tuer lui-même, en fait, son véhicule. Parce que un T-34-116 qui est prone un Panther, le Panther ne perdra que la motorisation et parfois sera même que qu'étourdi. Se tenait, mais c'est des tours du point avec lui. C'est que tant que mon char n'est pas réparé, il est un peu inutile. Voilà. Ça rend un peu plus, j'arrive pas à bouger bien. Problème de motorisation, voilà. Bon, là j'ai carrément économisé pour le tigre, hein, je peux me permettre. Bon, au moins que mon allié ait deux escouades de sapeurs, c'est génial. De niveau réparation. L'ennemi attaque un de nos bâtiments avancés. On y va. On pouvait espérer mieux. Bon. Alors le Panther sera parfait contre le KV-8. Hein, parce que le KV-8 est uniquement efficace que contre l'infanterie. Contre le reste, ça sert à rien. C'est bon. Char tigre sur le terrain.
Alors, il faut savoir que les ISE sont problématiques, mais ils patrouillent toujours que dans une zone prédéterminée. Si vous n'êtes pas dans ces zones, les ISE ne vous embêtent pas. Le problème, c'est que vous êtes obligé d'en détruire au moins un pour traverser. Donc, je me suis permis de faire un tigre pour faire des panthères, si vous préférez. Le tigre est vraiment parfait contre les œufs du fait de sa puissance de feu. Mais bon, deux panthères contre un IS-2, ça passe. Oh, go team body block encore. Je déteste Tia, mais c'est affreux. Elle m'a jamais autant body block que dans cette partie. Bon, c'est pas grave. Battre mon record, ça va peut-être dur. Les tourelles sont largement suffisantes pour dégommer les troupes d'infanterie. Donc c'est pour ça que je m'embête pas du tout avec leur infanterie, parce que ça suffit amplement. C'est vrai que ça irait plus vite s'il y aurait mon bagage. Soviétique et à ouvrir une brèche pour les chars. Les forces allemandes atteignirent la gare principale de la ville, mais une fois de plus, elles se heurtèrent à une résistance tenace. Et voilà, nous avons enfin réussi cette mission. Bon, des débuts très laborieux, bon. Oubliez mon idée de grenade d'assaut. Enfin, moi j'ai oublié cette idée parce que j'arrive pas à la maîtriser. Mais je pense que c'est une idée largement possible. L'IS-2, bon, nous a vraiment aidé. On va pas mentir, l'IS-2, efficacité 140%. Donc non, ça s'est plutôt bien passé et j'ai débloqué un bulletin qui avait déjà. Bon, c'est pas. Donc cette mission n'était pas si dure que ça. Et nous avons battu mon record, donc de quasiment 2 secondes. Quoi qu'en soit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous dis à une prochaine fois, d'ici là, portez-vous bien, et à ciao tout le monde.